Salutations, ici Noxferan en direct de Canopy Carnage. Et j'ai amélioré mon souterrain. J'ai récupéré du blé que j'ai replanté ici. Et en creusant au-dessus, je suis tombé sur un petit cours d'eau à côté de canne à sucre. Donc ça me permet de faire pousser tout ça tranquillement. Et aujourd'hui, j'ai des bateaux car je compte bien faire le tour de l'île pour voir ce qui se trame un petit peu partout et peut-être découvrir des surprises assez intéressantes. Donc il y a un squelette qui est mort ici et c'est parti. Yo, il pleut comme d'habitude. Oh, un creeper qui nage comme c'est mignon. Et ici sur cette grande étendue d'eau, comme il n'y a que un bloc de profondeur, c'est super simple de construire dessus. Donc je pense que je vais faire une maison sur pilotis ou un truc comme ça. Et je vais le faire là. Zut. J'ai pas pris mon arc. Je vais aller le chercher rapidement parce que ce creeper me dérange. Voilà. Petit creeper, tu ne perds rien pour attendre. Viens donc par là. Allez, voilà, tu m'as vu, c'est bien. Et voilà. Et on va tenter tout de suite de poser un bateau. Génial. Alors c'est parti, on va faire un peu le tour de l'île. Qui est quand même assez gigantesque. Poussez-vous de là, les poulpes. Toujours ce mur de bedrock. J'irai voir un petit peu plus près. Je suis curieux. En tout cas, ça grimpe au, sûrement à la limite de la construction, voire un petit peu au-delà, pour éviter de se passer au-dessus. Encore des poulpes. Énormément de canne à sucre, c'est dingue. Oh, j'ai vu un coffre. Ah, Damned. Demi-tour. Je vais aller voir ce qu'il y a dans ce coffre. Allez, tourne. Alors, il était où? Il était... dans ces eaux-là. Le voilà. On va s'arrêter juste là. Et on va aller voir ce qu'il y a dedans. On met ça parce que ça prend... ça se met dans le manchon. Ah! Forcément, faut qu'il y ait des gardiens. Un squelette. Ah! Ah! Bon, ça va. Nous avons donc du pain, des cookies, un signe. Étrange. À quoi pourrait bien me servir une pancarte? J'avais cru entendre. Ouais, je me doutais bien qu'il y avait une bestiole. Mais je m'en fiche! J'ai un arc! Bon, toi aussi, mais tu sais pas t'en servir. Hop là. Et on retourne. Voilà. C'est cool ça, ça fait un petit coffre avec de la nourriture. Il y a un squelette qui sautille encore. Pourquoi toujours des squelettes ou des creepers? Ça peut pas être des zombies. Une araignée qui était pendue à un arbre. Il n'y a pas... oh, un creeper. Non, non, tu me... non. Ah! Lâche-moi! Il y a des moments où il pleut et des moments où il pleut pas. Encore un coffre! Hop! Ah, c'est bien ça! Petite expédition, chasse au trésor. Oh ouais, cool! Ça c'est bon! Ça m'en fait un double. Plus un seau d'eau. Tiens, j'avais pas de seau. J'ai un seau maintenant. Trop bon. Rien d'autre de particulier ici. J'ai pas vraiment l'impression. On va continuer de faire le tour. J'espère qu'il fasse pas trop nuit.
J'ai le temps de rentrer. C'est vachement sombre. Ah ouais, d'accord, c'est cet arbre. Oh, il est bizarre cet arbre-là. Ça me dit rien qu'il vaille. S'il faut que je m'arrête à tous les coffres, je pense que je suis pas arrivé, mais bon. Au moins je gagne quelque chose. Ah, j'ai plus de place. Je vais au moins prendre le seau. Et l'armure aussi. Qu'est-ce que j'ai pas besoin? J'ai beaucoup de pain, beaucoup trop de pain. J'ai pas besoin de où? J'ai cru voir un truc qui bougeait. J'ai pas besoin de ça. Ça, je l'équipe. Et voilà. Un peu de nourriture. Les cookies. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cookies? La pelle. Non, l'épée plutôt. Hop là. Et voilà. Je vais. Si, je vais prendre le coffre encore. Comme ça, je sais que. Je l'ai pris. Oui, oh. C'est reparti. Oh, il y a un squelette qui est en train de se. Ah! Combat sous-marin. Naval. Haha. Et on arrive au bout. Ah, il y a le mur là-bas, forcément. Encore un coffre. Oh, faut que je retourne à la base. Ah oui, faut vraiment que je retourne à la base. Je vais mettre des torches. Voilà. Comme ça, je sais que. Bon, je le verrai comme ça. Wow. Et allez. Je continuerai par là-bas plus tard. Parce que là, j'ai. Je pense qu'il. Ouais. Le soleil commence à peu près à se coucher. Allons dans le coin du coin du coin. Juste par curiosité. Aïe. Hé. Dame Ned. C'est vraiment énorme. Et ça y est, il commence à faire nuit. Mais qu'importe, je suis dans l'eau. Il n'y a pas de monstre dans l'eau. Du moins, je ne pense pas. Oh là 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 là. Le mur de bedrock qui monte tellement haut. Bon, j'aurai jamais assez de bois pour grimper tout en haut, mais. Je peux le toucher, je peux le toucher. Voilà. Ben voilà, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre du tout. Impossible de sortir de là, en tout cas. Bon, j'ai vu le mur, je suis content. Maintenant, retournons à la base. Avant que quelque chose de fâcheux n'arrive. Hé, petit chemin de lumière. J'éviterai de mettre des torches tout autour de l'île, sinon j'arriverai plus à repérer ma base. Quoique, de toute façon, je compte en faire une sur l'eau, donc à la limite. Who cares? Alors, voilà mon arbre. Je me demande si je trouverai des morceaux d'obsidienne dans des coffres ou en endroit caché. Tu restes là et tu ne bouges plus. Sinon, tu risques pas d'aller bien loin tout seul. Le nombre de morceaux de pain. Stockons nos trouvailles. Des cookies. De la viande. Je garde les morceaux de pain. Ça en plus, ça m'en fait un double, c'est cool. Quelques flèches, ouais, j'ai encore un tas de flèches, c'est bon ça. La hache en diamant, est-ce que je garde la hache? Va dire, j'en ai pas nécessairement besoin. Juste prendre ça en retour. Et puis je la conserve, autant la conserver. Ouais. Ah, j'ai une pelle, une hache en bois, pas très utile, mais certes. Les seaux. Pourquoi je garde des seaux avec moi?
avec des torches. Hop là. Haha. Et voilà. J'ai tout déposé. Le reste, je garde la pancarte. J'ai pas besoin de pancarte. Où est-ce que je vais la mettre, la pancarte? Je vais la mettre là, la pancarte. J'ai pas besoin de pancarte. Pancarte. J'en ai déjà deux. Et des os. Oh, ouais. Si je trouve un loup, qui m'étonnerait. Et c'est tout. Il me faut de la laine. Absolument de la laine pour me faire un lit. Car j'en ai marre de passer toute la nuit à attendre. Et à rien faire. C'est agaçant. À la fin. Et bah tant pis. J'ai rien d'autre à faire. On va attendre que le jour se lève. Donc voilà. L'heure a tourné. Il commence à faire jour. C'est le temps de sortir. Donc il faut que j'aille récupérer l'autre coffre que j'avais vu tout à l'heure. Un sacré chemin. Ah! Pourquoi c'est toujours des squelettes? J'ai marre d'utiliser mes flèches contre eux. Ah, ma barque! Ah. Pas besoin d'os. Viens par là. Demi-tour. Tout droit. Allez. On y va. J'aurais dû garder ma montre avec moi en fait. Au lieu de la redéposer. Ah, tant pis. Je ferai avec. Je vais chercher le coffre. Et puis, oh, un slim memory. Et puis, je continuerai jusqu'à ce que je trouve quelque chose de vraiment intéressant. Pas forcément que des coffres, si possible. Oh, 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 oh. Il y a du monde. Et il y a... Ah, il y a ça. Ça me dirait une forteresse. Ça me plaît pas. Bon. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Alors, hop. Eh. Merci. Je vais voir ce qui se trame là-bas. Hop là. Soyons prévoyants. Il y a vraiment trop de monde. Pourquoi il y a autant de monde ici? Les zombies. Pas besoin de vous là. Ah. Va-t'en. Oh, c'est grand. J'aime pas ça du tout. Ça va encore être un donjon. Ah, j'ai peur. Ah! Sniper. Hé. Mais où est l'entrée? Telle est la question. Where is the entrance? God damn it. J'ai pas dit where is the creeper? Where is it? Oh. Bon. Mais je vais pas faire le tour comme ça. C'est mauvais. Ah! Ok, ok, ok. Bon, je vais marquer cet endroit, hein. Genre, plein de torches sur le côté. Et puis, je reviendrai plus tard. Ok? Lâche-moi tranquille, lâche-moi tranquille, lâche-moi tranquille. Aïe! Ok, bon, c'est tout. On retourne dans la barque. Et on s'en va. Je reviendrai plus tard. Ça va être des donjons. Ah!